Il m'est déjà arrivé de savoir quand la mort approchait des gens que j'aime. Comme de très forts pressentiments. Et une semaine après, mes prophéties se réalisaient. La mort les prenait, sans donner d'explication ni de réponse sur l'endroit où elle les emportait. J'ai beaucoup pensé à ma propre mort. Je la visualise silencieuse, calme et paradoxalement imprévisible. Assez naïvement, je m'explique que c'est pour cela que je dors les yeux ouverts, la pupille en permanence à la lumière, pour rester en alerte et ainsi pressentir l'appel de la mort. Quand on cherche William et les autres, on cherche le sens de sa propre mort. Les esprits cartésiens sont placés dans un monde où la science et le rationnel ont disparu. Ils n'attendent plus Godot, ils le cherchent jusqu'à perdre le masque de leur humanité. Vivants, les villageois sont déjà dans l'après. Du côté des morts, des spectres autant insaisissables que le sable qui constitue leur unique horizon.